Je m'en fous, je te tuerai. Même si t'es géant et tout. Le... Alors là, je vous le dis. Non, mais... Ce qui s'est passé dans mon cerveau pour que je fasse le lien, qu'il fallait prendre le tuyau, le mettre là, aller en haut et tout. C'était l'adrénaline. Mais genre, t'as 3 L dans l'adrénaline, là, tu vois, c'est... Je commence à devenir comme des bêtes de Koh-Lantage. J'en ai vraiment, là, il s'est passé un truc. Là, c'est le Bowser qui a été rect. Il y a encore des... Il y a que des GG, des rect et des MLG dans le chat. Bon, et un show aux fesses, ok. Merci, Mokun Desper pour le show aux fesses. Oh, c'est des squelettes. Ouais, c'est des squelettes. Oh, c'est stylé. Bah, il n'y en avait pas dans le jeu original, donc c'est sympa, ouais, d'avoir mis ça. Là, il y aura un truc caché. Non. Bah, on retourne aux bases, hein, comme on dit. Ouais. On a commencé par... Super Mario Bros. D'ailleurs, tu... On continue. Tu les as pas encore testés, les trucs mondiaux, là. Non, je le ferai en vidéo. On se calme. Adrénaline. Ils sont où? Ils sont où, André et Aline? Ah merde, je sens une montée d'adrénaline. Voilà, c'était le moment blague pour se reposer, tu vois. Non. Retour aux origines, non. T'as perdu tout de suite. Ça fait pas partie de Propunt, hein, retour aux origines. Hein. C'est pas une marque déposée. Non, pas du tout. La logique, Bowser avait des ailes, il tombe. Sinon, j'avoue. Le mec a des ailes, il tombe comme une merde, tu vois. Allez. On montre un peu de skill de Super Mario Bros. Hein. On s'entraînait depuis qu'on est tout petit à ce jeu. Non, mais passe. Non, je passerai pas. Parce que le Rex Rect de retour, face squelette. Tu sors. Bon, tu vas réussir. Design une montée d'adrénaline. Mais passe partout, voilà. Non, mais toi aussi tu sors là, si tu commences à faire des blagues comme ça, non mais. On n'a pas les droits de Fourboyard, hein. On a les droits de Nam Commandant, mais pas de Fourboyard. Ok. Ah là là, les droits de Nam Commandant, ils n'empêchent. J'y crois toujours pas. Bon bah on va sauter, hein. C'est pas comme si ça demandait du skill, ici on entendait le bruit de la manette qui spam à côté. Oh le champignon. Ah oui. Par contre, je sens qu'on va devoir descendre. J'aime bien, par contre, t'as vu, ça fait une tour, on peut aller à l'intérieur. T'as remarqué? Tu verras dans la vidéo, c'est une tour, en fait on va à l'intérieur là, les blocs. C'est un château, on est à l'intérieur là. Hein, c'est vachement bien fait, je trouve. Là tu vois, c'est un niveau dur, mais je mettrais une étoile. Bon, en plus c'est que des squelettes, les trucs. Ouais, c'est vraiment bien level designé là, j'avoue. Ah voilà, je l'aurais senti à 3 km elle là. Hein. Tu vois même... pas dans le tuyau Même si tu m'as dit que j'avais pas de nez, je l'aurais senti, tu vois, donc... Sachant le piège. Je l'avais dit ou pas, je le sentais. Eh bah non, bah on retourne là-bas, bah oui, il y a quelque chose là, bah voilà. Une étoile, je sais pas. Non, bah... putain, non, mais... Oh oui, c'est ça. Donne-moi ça. Voilà. Donne-moi la chaussure. Ah, ça sert à ça, ça. Ouais. J'aime bien le bruit que ça fait aussi. Ça, c'est vraiment une référence, enfin, un truc sympa qu'ils ont mis Nintendo. Mais quoi? Écoute. T'entends? Oui, ça fait quoi. C'est un talon aiguille, quoi. Bah oui. Et là, je vais pouvoir passer, du coup. Ah si. Ok, bah ça passe. Bah bon, pas mal. Là, j'avoue, c'est pas mal. Mais Face the Skull Rex, si t'es un vrai du MLG. Oh. Elle y était dans le vrai jeu? Dans le jeu original? Non, justement. Elle était dans... La chaussure, elle était... Alors, c'est une botte, hein, verte, pas la chaussure. Oui, elle est dans Super Mario Bros. 3, et du coup... C'est l'équivalent de Yoshi. C'est l'équivalent de Yoshi, voilà, exactement. Ah. J'aime les poneys. Kaizo level 3. Je sens mal. J'aime bien cette musique, tu vois, genre... ouais, on va s'amuser tous ensemble. Tu vas rager. Je sais que tu vas détester ce niveau. Jouzy. Mais tu vas y prendre aucun plaisir. Ah, mais c'est rien de faire. Non. Ça, c'est pas ça, par hasard. Juste comme ça. Voilà. Kaizo, ça veut dire unfair en japonais, les amis. Ou en german, c'est pas grave. Allez. Oh, bah oui, oh. Non, je mourrai pas. Non, ma peau. Vous aurez pas ma peau. Vous aurez pas ma peau. Je mourrai pas. Je m'en fous. Je remonterai. Et je m'en fous, j'ai en train de remonter là. Je mourrai. Non.
mec. Cher Anoui, je rigole si tu tombes sur un de mes niveaux. Non, je te déteste. Non, non, non. Non, non, quand même pas. Quand même pas. Comment j'ai réussi à le passer sans faire ça? Attends, on va faire un saut. Tu... avant, en fait. On va faire la technique du refaire un saut, tu vois, juste pour tester, on va revenir. Il nous fallait bien un niveau NFR, hein, voilà. Non, celui-là a l'air safe. Bah, je rigole, tu leur as mis un deuxième, tu vois, juste pour qu'on soit. Allez. Hop. Si je fais ça normalement, je meurs. Voilà. Ouais. Ok. Ok, ok, j'ai compris. Je sens que je vais mourir avant la fin, mais c'est pas grave. Ah, mais ça le sent de toute façon. Ouh, on a eu chaud là. Oh putain, on a eu chaud. J'ai tellement eu chaud que j'ai senti le feu au cul là. Oh putain. Elle est où l'étoile? Elle est où l'étoile? J'aurais dû continuer. Non, mais... je m'en fous, je recommence. Je m'en. Les abonnés qui sont en train de faire. On s'en fout, tu mourras, deck. Arrête. Par rapport à tout à l'heure que j'essayais de survivre. Non, I will survive. Je m'en fous. Par contre, si, imagine, on a un niveau aussi épique en dernier niveau que la dernière fois. Parce que la dernière fois, le dernier niveau que j'avais eu en mode. Sans Mario, c'était. Le dernier niveau. Ouais. De New Super Mario Bros. DS, il était super bien refait. Même alors, s'il y avait le truc de gravité et tout, il était super bien refait, j'ai kiffé. Ouais. Sincèrement. Mais je crois qu'il est un peu impossible quand même. Faut qu'il y aille. Mmh. Oui. Bien sûr. Tu vois le niveau. Tu vois ça. Tu vois ce doigt. Run and jump in the ghost house. Oh, ils te ressemblent, mais en plus bizarre. En plus moche. Je m'en fous de ce que tu diras. Oh non, mais non, mais t'es sérieux. Ah, Silenia, je comprends plus ce qui se passe. Et je suis putain ce qu'il est. J'ai pas dit tout ce qui s'est passé. Ce oh, dead skill. Ah, c'est Stockfest qui vient de rejoindre le chat. En plus, t'aimes bien ta... T'aimes bien ta couste slug, hein. La 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 66, oh putain, si tu rajoutes un 6, c'est pas notre ben. Bon, ok, non, on va dire que on va rester sur notre lancée du premier truc qui était sympa, tu vois, qui était pas mal. Voilà, c'était pas mal, je l'avoue, mais voilà, on va pas trop se mentir non plus. Ok, pas bouger. Tu pouvais dire wait sinon, ça, enfin, je comprends pas ce qu'il y a marqué en japonais, mais voilà. Oui, il y a du rachid ici, oui, mais bon, hein, faut pas déconner. Après, je pourrais me le permettre si... Ouais, je vais me le permettre, t'as pas besoin de maintenant, j'ai 66 vies. Non, j'attends quand même d'être... j'attends quand même d'être à 12... Il y a marqué hardcore jumper, ok. J'attends quand même d'être à 12... niveau, quand même. Pas déconner. Oh, 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 ok, putain, je déteste ces niveaux-là. Bon, bah... Ok, va falloir bien appuyer et bien avancer. Tu sais pas sauter. Ah bah vas-y, je veux bien t'y voir. Je veux bien t'y voir. C'est super simple d'être derrière leur truc. 3, 2, 1, Rashkit. Le mec. Oui, oui, le 3, 2, 1, vous l'avez vu assez. Mais là, je m'en fous, j'ai en train de faire un... Non, je teste, je teste. Je m'en fous, pour ma fierté personnelle, je veux réussir à sauter sur ce Koopa. Donnez la musique épique. Passe-le, on est avec toi, Deck. Oui, tu peux réussir. Je dis ce que les abonnés disent dans le chat, hein. Ouais. On va y arriver. Y voir comme la défense des éléphants. Je sais pas ce que tu veux dire, mais c'est pas grave. On n'est pas en Côte d'Ivoire ici, mais on aime bien la Côte d'Ivoire. Fuck. Oui. 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 Oh, 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 oh. Oui. 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 Non. Fils de pute. Ella. Tu crois que je t'ai pas vu venir? Tu crois que je t'ai pas... M'en fous, j'ai un champi. Eh, hey, j'y arrive. C'est ma fierté, là. Allez. Tintin. 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 Ha, ha, ha. Ça, c'est le bruit du niveau que tu jettes à la poubelle parce qu'il y a un dysfonctionnement dedans. Jumper, jumper. Pourquoi vous faites des niveaux jumper, les gars? Vous aimez tellement de jolis.
ça me donne pas trop envie d'aller en haut, si tu vois ce que je veux dire. Attends, t'as réussi à tuer un... Un ship, oui. Quand je suis à la surface, je peux... Ah, mais il est là! Attends, c'était bien le drapeau que j'ai vu? C'est le drapeau qui est là? Le truc vert? Oui, c'est le drapeau! Ah ouais? Mais, il est super. Compliqué! Comment? On va bousiller toute notre vie, les amis, sur ce niveau, pour comprendre comment faire pour passer ça! Fallait utiliser le chip-chip? Non. Je pense qu'il faut prendre un ressort. On peut pas prendre les ressorts dans Mario Bros. Ok, bon, s'il y a moins d'un niveau de réussite, c'est que voilà. Et d'ailleurs, les amis, tout à l'heure, on réussit des niveaux avec moins d'1% de réussite, hein, je le rappelle, hein. Attention au risque d'épilepsie. Non, t'es sérieux? Oulalalalala. Celui-là, je suis sûr que j'aurais pas dû l'utiliser, là. Celui-là que t'as pas vu ce que c'est, l'épilepsie, hein. Pauvre Slug, il a pas vu ce que c'est encore quand t'as le mode disco qui s'active. Allez, donnez-moi un truc gentil, les amis. Donnez-moi, non, pas des pièces, mais un champi, je sais pas, un truc. Me dites pas qu'il y a quelque chose de salaud qui va... Oh, Yoshi. Yoshi, tu sais pas à quel point j'aime le vert. Tu sais pas à quel... Non, mais reviens, je pensais qu'on pouvait être amis. Ok, bon, ça, je peux... Non, Yoshi. Tu sais comment il va faire? Comme ça. Yoshi, je pensais qu'on pouvait être amis. Pourquoi tant de haine? C'est quoi ça? Bon bah là j'ai dans le cul. Là je l'ai moins dans le cul. Voilà, ça c'est sympa ça. N'y pense même pas. Ok. Voilà, moi je veux ça. Parce que moi je connais la technique pour les démonter, ces trucs là. Je suis sûr que dans les personnes qui jouent à... Mais comment on fait des cercles comme ça? Il y a des gens qui font des cercles. J'allais dire... Donc secouer, du... je pense. Ah, peut-être. J'ai jamais essayé de les secouer. Ouais, pas mal. Peut-être. C'est vrai que j'ai jamais essayé de secouer ça. Pour moi, ça me paraît évident. Moi, je crois que je les ai fait. Donc oui, je parie que je fais partie quand même de peu de personnes qui connaissent la technique pour casser ça. C'est pour ça que ce niveau a 1% d'ailleurs. Parce que du coup il faut les casser pour avancer. Allez, là ça monte du skill. On n'est pas là Donkey Kong pour ralentir. Voilà, et d'ailleurs il y avait un mec qui a fait Donkey Kong Junior en niveau, c'était vachement bien fait. Oui. Yoshi, août, octobre. Le mec. Yoshi, 2015. On le regrettera. Ah mais c'est Sackface qui a mis ça. Yoshi, 2015. T'as eu la même pensée que moi, Sackface. Les grands esprits se rencontrent, putain. Yoshi, c'est un win and go. Je sais pas ce que ça veut dire. Yoshi, 21h56, 21h57. Le pauvre. Allez, on est à 11 niveaux. On peut réussir. Comme tout être normal. On va mourir. Voilà. Ceci était la durée de vie d'un Deckmaster, comme et vous pouvez voir. Passer, je crois, parce que là... GG, mais Yoshi RIP. Yoshi sort une espèce en voie d'extinction et le sent encore plus quand il accompagne Mario. Je crois que celui qui a mis ça a vu le gif de Yoshi qui se fait exterminer par Mario pour avec un doigt juste pour atteindre le niveau. C'est un gif connu, ça. Parce qu'en fait, Yoshi, quand t'es sur son dos, tu peux... Voilà. En fait, tu vois, par exemple, là, j'aurais Yoshi, j'aurais pas pu être allé assez loin. Du coup, j'aurais pu appuyer ici. Comme ça m'aurait permis de faire un saut depuis Yoshi et de l'envoyer dans le vide. Du coup, Yoshi, il est comme ça, il tombe dans le vide. Non. Il y a vraiment comme ça qu'il regarde. Hey, fuck your bitch. Qui arrive sur ce truc. Alors, ce niveau, il avait moins d'1% de réussite. Ok, je crois que quand même le niveau le plus simple qu'on ait eu jusque là, quoi. Do it. Just do it. Je suis d'accord avec quoi, avec Zekonless. Oh putain, je t'aime pas le bout, là. Je t'aime vraiment pas. J'aime pas la vie. Alors là, je sais même pas si c'est possible. Alors là, je crois que le moins, là, tu vois, le 3-2-1 va passer quand même dans... Dans pas beaucoup de temps. Voilà. Voilà. Moi, il m'en faut peu pour être heureux, tu vois. Mais il m'en faut aussi très peu pour m'énerver. Surtout quand j'ai 66 pièces et que c'est le chiffre du malheur. Bobo me fabrique. It's a Rainbow's Factories. Et je vais pas, oh putain. Oh, oh le
passe pas. Oh. Le voilà, l'obus. On l'attendait. Il est là. Mais ça, ça obus qu'il explose. Oh putain, oh oh, on pouvait passer à travers. Oh putain, j'ai eu tellement de la chance. Par contre, j'ai bien besoin de bonbons là. Oh, attends, tu vas pas me dire que je dois prendre celle-là. Ouais, ouais, les mecs, ils ont cru que je pouvais sauter sur ça quoi. Maintenant. Non, on peut y arriver, faut juste prendre une bonbombe. Non, 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 tu peux pas y arriver. On peut y arriver. Non. On peut. Non. Si on le veut, on peut. Non. Si on le veut, on peut. Non. Ah ouais, mais c'est à temps limité. Ah, dégage. Bah sinon, tu peux en prendre une de celles-là. Essayer de la... Voilà. Je perds mon temps, moi. Je m'en fous. Je m'en fous. Ouh, mais c'est que t'as perdu. Il faut être heureux vraiment très peu pour être heureux. Ouais, ok, si tu veux. J'aime bien déjà les niveaux, tu vois, où il y a des champignons. Ça, c'est acquis. Hop, les... On esquive. Allez, allez, là, de toute façon, c'est du skill qu'il faut. Moi, je préfère les niveaux, tu vois, où il faut du skill, plutôt que les niveaux où c'est impossible. Oh, mon Dieu! Yoshi! Tintintin, tu es de retour! Tu m'avais tellement manqué! 21h... Tu chies même des heures... Non! 22h pile à 22h pile. Yoshi! Yoshi! Voilà. Oh, putain, non, non, non! Ouh! C'est même plus 21h56, 21h57, ça fait 22h pile, quoi. Yoshi, je t'aimais. J'avais même designé une bague pour toi. Yoshi le zombie, ah bah dans le chat, il va avoir aussi Yoshi le mort-vivant juste après. Voilà. Hop les. Ce niveau est pas impossible, hein. Ce niveau, là, pour l'instant, il est juste dur. Encore, ça va. Pour moi, je trouve pas si dur. Si on dit ça que je meurs, ouais. On va pas tenter. Ouais. Ça va s'alterner. Alors ce moment va être très dur. Yoshi. Ok. L'ami Yoshi de Oto encore est ripé. Il est parti au paradis. Il était parti où avant du coup? Dans le cimetière des dinosaures oubliés. Pour chaque Yoshi tué dans un jeu Mario, rappelez-vous qu'il meurt dans notre souffrance dans un autre monde. Vous aussi, liguez-vous contre l'armée des... Yoshi ! Non ! Enfin, Mario meurt plus souvent que Yoshi, en fait. C'est Zilconis DX. Ok, Zilconis DX. Ok, j'ai compris. Je crois que ça va le faire chier que je l'appelle DX. C'est Zilconis Deluxe, t'as toujours pas compris ? Voilà. Bon, j'ai dû sniffer un peu de drogue là, tu vois, un peu de coke pour me tenir un peu en haleine, tu vois. Ça fait combien de temps qu'on est au 12? Ça fait un moment là, non? Faudrait que j'arrête de faire le débile en fait. Bah ouais, je commence à prendre tellement vite. On va devoir économiser. Ouais, on va devoir surtout économiser ce putain de Yoshi qui meurt à chaque fois pour une raison Y. Bon, il meurt tout le temps là. Putain. Laissez ce pauvre Yoshi tranquille, qu'est-ce qu'il vous a fait? Ce Yoshi n'est pas... Ce Yoshi n'est pas designé pour être... pour revivre, tu vois. Là, il y a pas d'avoir plein. Ce Yoshi n'est pas Yoshi. Le retour de Yoshi, bah vous allez le revoir, Yoshi. Ah là, je peux vous le dire. Voilà. Ah, je prends la vie, hein, je m'en fous. Si ça peut me refaire gagner 3 vies dans le truc, je suis partant. Faut pas que je me refasse tuer, faut pas que je me refasse toucher, là. Parce que après, il y a le passage des trucs. Oh, ça Marie-Joseph. Cassez-vous. Alors là, c'est le passage hardcore. Pas encore, mais... Je sens qu'il va falloir que je me dépêche, en fait, parce qu'il y a le truc après. Voilà, ça. Non ! Bon, les bonhommes. Un peu skate, man. Ouais, je kiffe ma vie. Passe. Non, je passerai pas. Ce niveau... Je ne passerai pas. C'est le niveau qu'il faut qu'on réussisse. C'est notre but dans la vie. Mais tu vas perdre toutes tes vies. Non. Je réussirai ce niveau. Pour tous les abonnés qui me regardent. Pour tous les abonnés qui me supportent. Oui. Yoshi, reste avec moi. À la vie, à la mort. Bon, là j'attends que les flammes passent. Voilà. Oh putain, oh putain. Non, 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 Yoshi.
Oh, oh, oh. Donne-moi ça, toi. Putain, je sens que Yoshi... Il fait des trucs risqués, Yoshi, là. Il fait des trucs assez risqués. Hein. Enfin, c'est moi qui suis sur Yoshi, mais c'est lui. Le retour de Yoshi. Il y a des abonnés qui ont vraiment compté combien de fois Yoshi est de retour. Bon, là, je m'en fous. Hein. Je vais quand même rester en dessous pour passer. C'est comme ça. Voilà, je prends pas la vie parce que j'ai un seuil de 3 vies minimum pour envie. Oh putain, Yoshi! Non! 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 Oh le froid! Il est encore vivant! Yoshi! Il est en train de cuire! Il est en train de cuire comme une omelette au fin fond d'une crevasse, je sais pas, inventer quelque chose, bordel! De la love! Il s'appelle Gollum! Parce qu'il tombe dans la love comme à chaque fois! Allez, Yoshi! Tu peux le faire! On croit en toi. Le retour de Yoshi. Un nouveau stand. Merde, bah, je voulais toucher le truc, mais... Oh putain, la flamme, elle a failli me toucher, je parie. Ce passage, à chaque fois... Olé, 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 la fleur de feu. La fleur de feu qui fait plaisir. La fleur Yoshi, de feu. Lave, lave. Du Yoshi, tu es... Allez, 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 allez. Un steak de cheval. Non, ta gueule. À quoi? Allez, allez. 22h05, 22h05. Non, non, mais putain, mais Yoshi, il est encore vivant! Eh non, 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 non! Je vais pas mourir! Non, mais je m'en fous, je réussirai ce niveau! Eh, mais Yoshi, il était plus rapide qu'une Usain Bolt, là, quoi! Il a... Oh. Mais Yoshi, il a dégarpé vers la vie, s'il te plaît! Là, c'est moi qui suis mort! Il a fait... Je m'appelle... Eh, tu veux mourir, là, moi, je me casse, hein, au revoir, allez! Eh, tu m'as pris pour qui, là? Le mec, il a cru que j'allais me suicider avec lui, là. Bon, j'ai essayé. Parce que j'essaie à chaque fois d'avoir ce truc-là, parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, en fait, tu vois, c'est un bug, tu vois, ça te donne la fin, en fait, tu vois. Le troll que j'ai fait au combat. T'as mis le troll. Yoshi l'a fait. Eh, tu veux le réussir? Bah, moi, tu l'auras pas. Non. Tu lui as encore fait. Putain. Là, je l'ai fait un fuck et Yoshi, il est tombé avec moi, quoi. C'est la dernière vie, les amis. Ça dépend. Là, c'est la dernière vie. Je veux vraiment réussir ce niveau. Je sens qu'il est possible. Pour du skill. Tu veux ton Yoshi. Oh putain, et là, ce que je viens de taper comme esquive, là. Et attends, et où? Oui, je veux mon Yoshi. Je veux en plus, pour avoir du challenge, réussir ce niveau avec Luffy. Avec Yoshi, pardon. Avec Luffy. Ouais, bien sûr. Je veux inviter Luffy chez moi, tu vois. Ah là, ouais, ça relève du défi. Non, mais... Ok, voilà. Et il est encore en train de bouillir. Voilà, 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 voilà. Spin to win, the sequel. Spin to win, secouer, ok. Tatooine. Ok, t'es prêt? Eh non, mais je te préviens, si je meurs... Parce que j'ai voulu bousiller toutes mes vies pour sauver Yoshi. Je meurs. Hein? Ok. Non, attends, je vais essayer. Non, arrête. Si, si, je vais essayer. C'est du gaspillage. Je veux essayer. C'est la dernière vie. J'ai dit que j'accordais 3 vies. Faut pas déconner non plus. Tu meurs en plus. Facile. On peut y arriver là, lui. On peut y arriver. En plus, on donne des pièces, on donne des vies. Si on y arrive, c'est worse. Voilà. Deux champis, c'est pas mal. Alors, comment je suis censé faire par contre? Oh, est-ce que je le refais? Non, arrête, attends. Ah, j'ai deux vies. Arrête. Mais j'ai deux vies. Arrête aussi. Oui, oui, c'est peut-être pas... Ouais, mais j'ai deux vies, écoute. J'ai deux vies. Arrête, là, c'est du gaspillage. Regarde, tu vois. Non, mais non. Mais quand le niveau, il marche pas, c'est pas ma faute. Hein. Je suis désolé, hein. La force Teresa, rien de barzi. Ok, bon, déjà, ça se passe dans les airs. Voici pourquoi ce niveau... À 1% de vie. Voilà. Vous avez votre réponse. Putain, ça fait combien de temps qu'on est à 12 là? J'ai l'impression de pas avoir avancé depuis tout à l'heure. Vas-y là, eh oh. J'étais tellement chaud au début. C'est pas une impression. Je t'emmerde.
Je sens qu'il y a un truc qui va nous tomber dessus. Ah, vas-y, explose. Parce que tu as gaspillé tout dans Yoshi. Hein. Oui, mais au moins, tu vois, il a pu survivre encore un peu. Il a pas survécu, tu l'as ressuscité. C'est pas pareil. Oh, what up. Un niveau facile. Non, j'y crois pas. Avec un what up. Ça fait tellement de temps que j'attends ça. Pour la peine, je te mets une étoile, mon gars. Non, mais tu l'as mérité, ton niveau, il est nul, mais il est facile. J'y crois pas. Génial, le saut dans le vide. C'est même pas un vrai lien. Il va rejoindre Freddy Fox, Benny, Sislender. Ok, j'ai pas compris. Hop, le fils qui fait le niveau, il meurt, Gungan Punch. Le fils qui fait le niveau. J'adore les petits cadeaux que tu nous fais comme ça, tu vois, c'est vraiment sympa. J'aime bien aussi les personnes qui mettent ça dans les niveaux, tu vois. Genre pas de champi, mais des trucs comme ça qui rendent le niveau impossible. C'est sympa. Parce que moi, je passe à travers ça, parce que j'ai rien à foutre. Ok, bah prenez ça, écoutez. Ok, hein, si vous voulez, je vous le donne. Hein? Ok, bonjour, ça va. Allez. Oh, mais c'est si gentil. La vieille astuce. Non, je passerai, j'ai dit. J'ai dit que je passerai. Bon, fuck. Allez. Je suis sûr que c'est un champignon dedans. Voilà, juste pour te faire chier, tu vois. Hop les, moi j'ai... Oh, 3 vies. Oh, oh bonheur. 3 vies. C'est de l'arnaque ce niveau, lol. C'est pas grave, les .com et .fr et tout ce bordel, pas le droit, c'est Twitch qui le bloque. Seulement les modos peuvent envoyer des liens. Ok, voilà. Bon, je vous fais confiance les modos pour refaire le live, hein. Oh, j'espère que ce live vous intéresse, les amis, toujours. Allez, on est à 2 niveaux de la fin. On est à 2 niveaux. Je suis... Modo. Modérateur, ce sont des personnes qui ont le pouvoir sur la chaîne. Un P-Witch. Alors déjà, on a peu de temps, c'est-à-dire que ce niveau est sûrement petit. Ça veut dire déjà que je me fais défoncer la gueule. Du coup, on va continuer sur un niveau qui est toujours petit. Ensuite, voilà, on continue. Je vais passer cette porte, ça sera toujours une arnaque, mais ce niveau reste petit. Voilà. Ensuite, ce niveau, vous voyez qu'en fait, c'est pas vraiment une arnaque. Mais le problème, c'est que vous voyez qu'il y a la populace qui me vient dessus et que du coup, bah, je suis forcé de sauter dans le vide. Et que ce niveau est petit. Parce que ce niveau est petit et que du coup, ce niveau, on va le passer. Voilà, c'est bien, vous avez su le raisonnement, les amis. You can do it. Do it, c'est D-O, c'est pas D-O-U, hein, je te préviens. Ok, bah on vire deck et on met du Nyan 4 en boucle. Non mais oh. C'est quoi ce travail, là? C'est quoi cette rébellion? Oh putain. J'ai même pas tombé dessus. Stérilisé, sextape avec Peach et Yoshi, t'es sérieux? Oh là là. Voilà, ceci étant passé. Comment ils tournent là comme ça dans ce jeu, quoi? Voilà, je pense que j'ai réussi à passer. Non. Là où les mecs sont morts pour les 98% de fois, tu vois. Je pense. Environ à 1% près. Allez, on peut le faire, celui-là. Mais en fait, des fois, t'as des personnes qui ont un peu peur avec le parce qu'ils ont jamais été testés. Ah, t'es quoi? T'es quoi? Tout moqué? Ouais, ça commence. Je parle japonais parce que je commence à rager. Amato yo, kayeto, kidu yo, kayeta, mayo, karubo, ki, wana, kito. Yakuna, kiyo, Bobby Bowser, sticker. Voilà. Bobby Bowser. C'est Papy Bowser, voilà, on l'a tous employé. Oh putain, j'aime pas ces trucs. Tu renifles le cul du Skullerix en plus. Oh, qui? Oh bah ok, oh. Bon, bah, sympa. Oh ouais, c'est cool ça. Ça me redonne envie de jouer. Tu es le méchant. Je me moque de vous. Ah merde, bah je me moque de moi en fait. Je suis nul. Oh regarde, il y avait toi en bas. Alors, je fais attention parce que la carapace peut revenir s'il y a un truc. Oh, oui, 2 pour le prix d'un. Oh, oui, bonheur. Y'a pas un truc ici? Non, le mec il l'a fait avec le cul, ok, j'ai compris. Voilà. Voilà, là je suis vraiment Baby Bowser. T'as 2 trucs pour voler. Voilà. J'en ai rien à foutre. Je suis Baby Bowser, je suis tombé dans le vide. Boum. Oh. Le mec et tout. Le mec. Le mec et tout, comment il est fait? Tu te rappelles du Mugen? Oh yo, moyo, kumuyo, tu fais le traducteur? Kantukyo,
Toya Borla. Je me souviens quand j'ai tombé les fonds sur le fer avec Tchouk Nobo. Tchouk Nobo. Tchouk Nobo. Tchouk Nobo. Je sais qu'il ne traduit pas bien. Kito yo payora téphonika. Voilà, je le machin bidule. La débarquillo, elle va pour mauvais traducteur, yon taïra. Là, you are un office de poutilla, yon qui a. Cherche même pas à comprendre. Oh, tu es con, Encore Bowser volant qui s'est pas volé. Ah, le retour des GG. Voilà. On me re-GG, je suis content. J'aime bien la fleur de feu qui sert à rien parce que de toute façon, tu vas tomber dans le vide. Voilà. Tu meurs. J'aime bien le petit bruitage. Oh, mais... J'ai l'impression toujours que c'est. Ok. J'ai l'impression que c'est le même, on dirait, non? Non. Bon, je passe, hein, rien à foutre. Tu passes. Je passe, bah voilà. Flammes, non, mais j'ai dit que je passais, non? Est-ce que j'ai pas dit? Si, si, tu passes. Tu viens de dire que tu veux du fromage. Tu viens de dire qu'il veut du fromage. Ah ouais, moi j'en veux bien. J'ai jamais dit le contraire. Voilà. Maintenant, vous connaissez le fond de ma pensée. Je veux du fromage. Donnez-moi-en maintenant. Je suis affamé. Qu'est-ce qu'il y a en haut là? Il y a quelque chose en haut. Ah, yo, mon yoko! Tubio! Y'a tout mignon qui yo tout mignon de Roku plutôt. Oh bah c'est gentil, voyons oh, non y'a Kito, mais y'a Kada to. Ah y'a la fils de pute y'a to. Ah y'a Kato re rien à foutre y'a que. Ah mais je vais en reprendre un. Ah mais je vais en reprendre un parce que je sens le truc à venir. Yo mais Yoko y'a tu vois toujours le fils de pute, oh le Yoko yo mio. Yo mais Yoko. Oh bah y'a qu'à Tagoyo. Shite. Kumini wa. Kai de Shimoyo. Yua Mazani. Kai Koyo Yoshinai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais couiller. Tu te fais couiller. Yo Yonaga Kuyono. Kumotoyo. Ah, j'ai eu peur là pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait rester. Hein. Normalement, elle aurait dû rester, je sais pas pourquoi. Tomber dans le vide, Kiya, quoi, j'ai eu de la chance. Oh non, non. Fallait rester appuyé. Palam, palam, ta 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 ta. J'aime ce jeu parce qu'après le japonais. On se met à chanter et j'aime ce jeu qui me fait rager tout le long d'une soirée. Des Eris par milliers, des P-Switch buggés. Ce jeu est vraiment buggé, mais on l'aime quand même. Hakuna Matata, je sais pas ce qui m'arrive. J'en ai rien à foutre. Allez, on continue. Mais j'ai pas dit que je l'aurais plus. Parce que je veux le toujours. Parce que j'en ai rien à foutre. Moi je cheat le level. Alors donne-moi un peu de. Mais t'as rien vu, tu t'en foutais. Après, c'est ça qui te tue. Pourquoi voilà. Tu non, mais je suis sûr qu'il faut en prendre un. Du coup, j'en prends un quand même comme mais ça. Mais t'en as un là. Voilà. Non, mais attends, attends. Tu vas voir qu'il faudra que j'en prenne un à la fin. J'en suis sûr à 100% de ça là. Ouais, Bon, ouais, j'ai rien dit. Bon, par contre, ce mec doit aimer bien les P-Switch, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai pas compris là. Là, j'ai pas compris. Là, j'ai. P-Switch. Ah, j'en reprends un. Hein. Merci. J'étais sur la fin. Non! Oh putain! Oh le fils de. Oh putain! Oh le fils de sa maman! Mais je m'en fous parce que je peux y arriver à ce niveau, mais alors lui! Tu veux pas aller là me lire ce qu'il dit? Ah bah non, attends, je vais le lire en même temps. Mais c'est le fils de sa maman! Ah non, mais là, je vous assure, les amis, pour moi, c'était la fin du niveau, on était arrivé à la fin. Et je suis désolé, elle a, je comprends pas là. Je traduis censuré, j'ai pas le droit de dire bip! Que je suis vraiment pas très content. Ok, si tu veux. Troll se malade sur ce nouveau. Ouais, Deckmaster. Mais non, regarde, le spamage, ça existe. Oui, le P-Switch. Et j'en reprends, hein. Parce qu'on sait jamais, voilà. Mais elle t'a bien vu que de toute façon tu t'en fous. Non. Il y a des moments où je peux pas en avoir, donc si je suis pas assez rapide, comme là, je l'ai dans le cul. Je m'en fous.
Mon but à moi, c'est d'un jour je serai le meilleur P-Switch. Et je continuerai sans eux. Je ferai tout pour être un vainqueur et réussir ce putain de niveau de merde. Oh mon dieu, je t'en suerai. Je parcourrai la terre entière. Là je vais te tuer. Parce que si je réussis pas à l'avoir, tu vas prendre mon poing dans ta face. Pourquoi moi? Parce que t'es mon frère et que tu m'as dit pas de le prendre. Bah finalement faut peut-être le prendre. Le P-Switch, on y arrivera. On est tous une grande famille comme ça. Ma grand-mère c'est un P-Switch. Et mon frère c'est un P-Switch. Mais s'il est là-bas, il me regarde derrière la fenêtre et fait peur. Il faut spammer car c'est ça la vie. Puis attendre les P-Switch. Puis les reprendre car ça c'est bien juste. Il faut toujours le retenir. Le P-Switch. Vous aussi soyez avec eux. C'est ça les nouveaux gameplay. Le P-Switch. Oui, c'est ça qui sauvera Mario Maker de la Shoah. Oui, le P-Switch, on y arrivera. Tous ensemble pour la victoire. Le P-Switch. Ça demande là de la vitesse. Le P-Switch. Je commence plus à avoir de voile, mais j'en ai rien à foutre. Le P-Switch. Oh putain, je suis petit. Oh, P-Switch. Je suis sûr que je... Non. Je fais ça et je prends le P-Switch. Non, je le prends. J'ai pas envie de me retaper tout, donc si jamais je dois tout me retaper, fuck. Us. Voilà. Attention, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Y'a quoi là-bas? Le P-Switch. Voilà. Ah, ça arrête ça aussi? Oui. Moi, je savais pas. Fuck, hein. Le one-up! Les amis, on est au dernier niveau! Nom de Zeus! Final Castle. Parce que t'avais de la voix avant, Soyface, je t'emmerde. Il va pleuvoir, NDR, arrête! Les abonnés qui commencent. Pire que Justin Bieber. RT, si toi aussi t'as les oreilles qui saignent. Mais non, il a une belle voix. Non, avec le P-Switch, mes oreilles ont vomi. Dernier niveau, les amis. Oh, et on joue avec Sonic. Oh non, c'est pas le niveau que je pense. Les amis, ceci est le dernier niveau. Alors, je m'attends à un niveau quand même assez dur. Hein, je m'en fous. Faut marquer le pas, là. Le dernier niveau du mode expert de Super Mario Bros. Maker. Pour l'instant, ça peut pas l'air très compliqué. On joue avec Sonic, on en a rien à foutre. Attention, on prend ça, c'est un solo de Sonic. Fils de pute. Oh, je m'en fous, c'est le dernier niveau. Hein. Voilà. Que je gagne ou perds les vies. Hein, ça ressemble à Metal Man, non? Pam, 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 pam. Oh putain, oh putain, oh putain, 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 ouf, 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 ouf. Je crois que les... Sacrilège Sonic dans Mario. Non mais on est plus à ça près, hein. Maintenant tu as Splatoon dans Mario, hein. T'as je sais plus quoi dans Mario et tout. T'as de la lave dans Mario aussi. Bah oui, non mais... Ah, mais ça, faut se le dire aussi. On est à la dernière rangée. Oh mais c'est Marble Zone. Mais c'est Marble Zone. Marble Zone. Sonic. Bah oui, donc c'est bien ce que je t'ai dit, c'est pas cette... Quand je t'ai dit... Non mais c'est pas la map que je pense. C'est Marble Zone. On est sur le tout premier Sonic refait dans Mario Maker. Bon, avec fait à la bite aussi un peu, hein, parce que bon, voilà. Mais quand même, on est dans Marble Stone. C'était quoi la musique de Marble Stone déjà? Tutou. Veuillez patienter, nous contactons l'assurance. Voilà, c'est ça. C'était quoi la musique de Marble Zone? C'était Ah putain. Oh bah oui, le P-Switch, hein. Il nous avait manqué le P-Switch.
putain, Marble Zone. Non, mais si je connais pas la musique de Marble Zone, je suis pas cap d'être un fan de jeux vidéo. Et là, il y a les petits blocs, tu vois, qui tombaient dans le tout premier Sonic. Là, tu sais, c'est les trucs qui faisaient... Ding, 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 c'est qui remontait. Putain, je reconnais quand même, hein. Là-bas, hein. Ouais, là-bas t'avais un passage secret aussi, du coup tu peux aller maintenant comme ça. Là t'avais une vie notamment, donc tu dois sûrement avoir la vie au milieu, voilà. Bon, t'as la vie aussi pour Sonic et tout. Marble Zone. Sympa le mec qui a fait ça, je lui mets une étoile, vas-y pouce vert. Mais là, ça veut dire qu'il y a l'endroit de l'anneau. Ça sert à quoi de faire ça le tombe là? Ouais tu sais hein, ça sert à rien. Et là... Tu t'en souviens, l'anneau. Il est quand même raccourci hein, Marble Zone. Oula. Non, on n'est plus en Sonic. Et je veux la fin avec le mouvement de Sonic. Hein. M'en fous. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, pas ça! Oh, j'y crois pas! Oh, j'y crois pas! Oh mon dieu, une boule bleue qui court. Voilà, mon frère, en fait, vu qu'on n'a pas les moyens, il fait la musique. Voilà. C'est une très bonne musique, hein, composée ouais, avec... Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, le truc de l'anneau, c'est qu'en fait, il y avait un truc avec la bite. C'est en fait, dans ce niveau, il y avait un moment, mais qui était mais très dur, où il y avait juste un bloc qui bougeait sur une grande surface de lave. Et à chaque fois, on se faisait toucher, il ne nous restait plus qu'un anneau. Et en fait, on courait derrière cet anneau pour pouvoir survivre. Mais moi, quand tu disais ça, je pense au Seigneur des Anneaux, je me demandais pourquoi tu disais ça. Mais non. La méthode de l'anneau, en fait, comme il vient de le dire, c'est qu'en fait... Dès que Sonic a un anneau, il ne peut pas mourir. C'est comme s'il avait une vie en plus, je pense que vous le savez. Du coup, ce qu'on faisait, c'est que nous, pour passer la lave, au lieu d'attendre la plateforme qui mettait 30 ans à arriver, on avait un anneau, on allait dans la lave, on perdait cet anneau, mais on retournait dans la lave pour le reprendre et on faisait ça en boucle. Et là, je demande à tout le monde. Mais tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a même pas pris la porte, il est derrière. Voilà, donc Peach, va te faire foutre. Nous avons terminé le niveau expert. Et justement, nous allons sauver Peach, les amis, avec Sonic. Ça veut dire qu'il va y avoir une petite scénette spéciale. Imagine, c'est pas ce... Imagine, c'est des... Amy. Tu as dû surmonter bien des épreuves pour arriver jusqu'ici, je te remercie. Oh, t'aurais pu faire une... T'aurais pu faire plus ta pute et mettre un autre message. Non mais le genre, on a fait expert pour avoir ça quoi. Conception des stages. Donc retenez bien ces noms de toutes les personnes que je vais tuer dès demain pour m'avoir fait des stages aussi débiles et super durs. Ah non, il y en a, ils étaient faciles. Ouais, non, Very Hard, je retiens lui, il est sympa. Tous les autres, je retiens leur tête et je vais dès demain prendre une Kalachnikov, aller sur l'hiver et tous leur défoncer leur race. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Oh Lucina! On a fait tout ça pour un amiibo de Lucina les amis! Et pour aussi voir se reproduire Sonic et Peach comme on nous dit dans les commentaires! Oh, et c'est sur ce qu'on finit! Le mode expert pour la deuxième fois! J'espère que ça a été épique pour vous les amis car... Bon j'avoue que les niveaux étaient quand même assez simples pour ma part parce que quand même... Hein, il faut l'avouer, je me débrouille quand même pas mal dans Mario. Donc, passe mal, c'est son descendant. Du coup, faire quand même le niveau expert avec encore 26 vies, alors... Ta gueule. Et du coup, d'avoir fait... Ça pourrait très bien t'interpréter. du coup, d'avoir fait ce mode expert avec 26 vies à la fin, alors que la dernière fois, il me restait 2 vies au dernier niveau, j'avoue que c'était vraiment bien. Ça m'a plu, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. En plus, on a eu un très beau Marble Zone pour conclure. D'ailleurs, moi, sincèrement, la récompense pour moi, c'est pas l'amiibo, c'est toujours le stage final, car j'ai l'impression que le stage final est toujours excellent. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne journée, portez-vous bien, et à la prochaine vidéo! A plus!